vous portez des gilets jaunes et vous vous attendez à ce que le gouvernement retourne sa veste, ça ne se passera pas. Même si vous obteniez de l'État une baisse des taxes sur le carburant, ce qui n'arrivera pas ou sera tout à fait illusoire, vous n'auriez pas gagné. Nous fonctionnons d'une manière brutale et inouïe depuis des millénaires et nous pensons que nous asseoir sur les ronds-points de nos villes en brûlant des palettes au petit matin va transformer cette réalité. Il n'y a aucune chance, aucune chance. Il y a donc quelque chose de plus urgent, c'est le fonctionnement humain qui est en cause. Notre propension à être toujours dans le conflit, la violence, l'égocentrisme, la quête du profit individuel aux dépens des autres, le mensonge, etc. Ce fonctionnement est le même à tous les niveaux de la société. Un gilet jaune agit dans son quotidien avec les mêmes défauts, les mêmes failles humaines qu'une personne au gouvernement. Je propose que nous nous associons dans une démarche qui soit beaucoup plus radicale et beaucoup plus profonde. Ce qui est radical, c'est le fait que notre espèce, comme toutes les espèces, est en mutation depuis des milliers d'années. Notre cerveau a évolué, mais il doit encore évoluer. Et nous pouvons accompagner et accélérer même cette mutation parce que nous sommes capables de le faire. Nous n'avons pas toujours conscience de cela, mais nous sommes capables de le faire. Le cerveau fonctionne de telle manière qu'il structure biologiquement ses apprentissages. Des circuits particuliers s'impriment dans notre cerveau de telle manière que nous pouvons reproduire une chose, un apprentissage, quelque chose que nous avons vécu une fois. Nous pouvons le reproduire et même le transmettre. Aujourd'hui, nous voudrions transmettre une capacité, une structure, imprimer quelque chose dans notre cerveau qui nous permette de vivre sans violence, sans mensonge, sans quête du profit, sans égocentrisme. Bien sûr, ce travail est long, mais il peut porter ses premiers fruits très rapidement. Ce sera donc gratifiant et beaucoup plus qu'une baisse des taxes sur les carburants. Nous voulons vivre en bonne harmonie, en solidarité, pour le moins, et peut-être même avec amour les uns avec les autres. Cette démarche est essentielle parce qu'il n'y aura pas de changement dans nos sociétés sans cela. C'est soit notre extinction et celle de notre planète, soit la mutation. Nous sommes à cet endroit de notre histoire. Nous avons besoin de vivre et d'exprimer un potentiel beaucoup plus vaste. Nous avons été aveuglés, hypnotisés par des questions horizontales, superficielles, sociétales, qui n'ont aucun intérêt, isolées du reste en tout cas. Nous n'avons pas à nous battre pour du petit quand nous sommes plus grands que ça. Nous sommes attendus sur un plan, et j'ai envie de dire presque notre planète nous attend sur un plan où nous n'allons pas. Nous devons grandir, nous devons évoluer, et nous devons le faire d'une manière tellement profonde que même notre cerveau en gardera les traces, c'est ce que j'appelle une mutation, à tel point que nous allons transmettre de façon héréditaire et génétique notre travail et notre évolution aux générations à venir. Toutes ces pseudo-révolutions agitées, violentes, ne font que perpétuer le mal. Nous ne faisons que perpétuer le problème. Quand un gilet jaune se bat avec un conducteur sur un rond-point, c'est pathétique. Il démontre le problème, il le met en scène. Comment pouvons-nous aujourd'hui continuer à nous aveugler à ce point, à croire que notre fonctionnement peut continuer, que quelque chose pourrait changer quand même? Comment pouvons-nous croire ça? La première chose à prendre en compte, c'est que sans mutation profonde, l'être humain ne reproduira que les mêmes erreurs. Nous sommes le courant de la mutation. Les rubans blancs que nous mettrons au rétroviseur de nos voitures, à nos poignets ou à notre boutonnière seront la façon que nous avons pacifiquement de montrer qu'il existe aussi une autre façon de faire la révolution. La mutation, ça veut dire une transformation telle de l'être humain que nous allons enfin grandir au niveau de nos aspirations les plus nobles. Comment faire vivre l'amour, la compassion, la paix? Si nous sommes toujours dans ces comportements brutaux, épidermiques, dans une réaction permanente plutôt qu'une action, comment pourrions-nous faire évoluer la situation? C'est impossible.
Il faut vraiment prendre ça en compte, le réaliser profondément. Nous ne parlons plus en termes de changement, qui est un terme politique, en termes de transformation, qui est un terme de campagne électorale, mais en termes de mutation, qui est un terme humaniste et spirituel profond. Accompagner la mutation, c'est faire un travail sur soi. Quoi de plus motivant que de penser que nous pouvons apprendre à grandir véritablement et à ne plus déplorer des comportements dont nous sommes nous-mêmes les auteurs finalement. Quelque chose nous est proposé, à quoi nous pouvons participer parce que nous avons tous la capacité à le faire. Et que si nous voulons vraiment apporter quelque chose à notre monde, voir le cours des choses se modifier, allons puiser ces ressources inexplorées à l'intérieur de nous. Aidons notre cerveau à se transformer de telle manière qu'il puisse intégrer des nouveaux modes de comportement. Faisons exister ces nouveaux comportements. C'est ce qui change le monde. C'est ce qui fait le monde et c'est ce qui peut le transformer. Le temps nous est compté, mais c'est en même temps une vraie inspiration, un vrai moment initiatique pour notre humanité. Nous avons besoin de ces points de repère pour unifier quelque chose qui est un peu dispersé aujourd'hui. Une page Facebook avec des propositions, la possibilité de cette façon d'utiliser le réseau social pour ce qu'il peut produire de mieux, c'est-à-dire une unité, une solidarité vers quelque chose de vraiment éblouissant et très grand. La mutation de notre espèce vers quelque chose de vraiment nouveau.